Hey, peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce nouvel épisode sur BO3, le 9e. Donc c'est parti, on Transporteur lance la annulé. mission. On lance un assaut aérien sur les plateformes de forage aquifère. Allez. C'est là que Taylor et Mariti sont censés être retranchés. Direction les aquifères. Direction les aquifères pour essayer de localiser les deux dernières cibles. Dites-moi ce qu'il s'est passé quand vous vous êtes connecté avec Hall. J'ai vu des trucs pas normaux. Des trucs que j'aurais pas dû voir. Avant qu'elle meure, j'étais dans son esprit, dans ses souvenirs, dans ses pensées, dans ses peurs. Elle était effrayée. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. J'ai vu les cobayes humains du projet classifié à Singapour. Quelque chose en eux hurlait sous la douleur. C'est ce qui a causé la tragédie. Ça a tué tellement de gens. Du calme. Respirez. C'est leur faute. Taylor et son équipe. Ils l'ont réveillée. Elle est en eux. Elle les mène quelque part. Restez avec moi. Où se dirige Taylor? Il cherche toujours la forêt enneigée. La NRC est déjà arrivée à l'aquifère. Ok. Ils ont installé un réseau de défense aérienne sur la plateforme supérieure. Bien reçu, Khalil. On arrive. Notre priorité est d'éliminer les systèmes de défense de la NRC. Et oui. Chaque chose en son temps, Hendrix. Chaque chose en son temps. Ennemis multiples détectés. Annulez la formation. Oh là là. Hendrix, pas la oh. On se retrouve là-bas quand ce sera terminé. Bien sûr. Mais on se grouille. On peut pas perdre Taylor et Marie, c'est pas de plus. Oui. C'est quoi ce bordel? Viseur verrouillé. What the fuck? Attention au tir terrestre! Alors je vous garantis que c'est pas moi qui contrôle l'avion, mais c'est moi qui tire. Oula! J'en ai verrouillé un! What the fuck? C'était juste! Faites gaffe à cette DCA! Trois ennemis en visuel! Je passe au vecteur 103 Echo. What the fuck? Wouhou! On essuie des tirs nourris ici. Faut qu'on rejoigne la. Ah, je le contrôle un peu quand même. On fait le ménage et on modifie notre vecteur. Boum! Oh, Dadav, oui. T'inquiète, on va l'éliminer. Hop là. Oui. T'as plus là? Ah, c'est moi qui contrôle, d'accord. Oh putain! Allez, go, go, go! Allez, on va éliminer ce système de défense. Il en reste un dernier. Ici. Bien joué. Khalil, les défenses aériennes sont éliminées. Voilà. Merci, on lance l'assaut. Si vous pouviez couper les communications de la NRC, ça nous faciliterait le travail. Merci. Ce que je dois faire. Couper les communications. Pas question. Faut qu'on trouve Taylor et Mariti. On les trouvera. Concentrez-vous sur le soutien aérien pendant qu'on s'occupe de ces tours de communication. Oh putain. Ok, c'est parti. On va se poser là. Allez, on atterrit. Mais vous comprenez pas ce qui se passe. Taylor a déjà passé un accord. Si
la LRC le fait sortir, ils auront remporté. Allez, go, go, go. Il représentera le héros américain, le traître américain. Vous avez besoin de moi au sol. Je suis le seul à pouvoir l'atteindre. Négatif, Hendrix. On a besoin de soutien aérien jusqu'à ce que cette plateforme soit sous contrôle égyptien. On peut mettre la console de communication en surcharge manuellement. Bon. En avant. Démarrez la console. Allez, panneau d'accès. C'est parti. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lancez le processus, je prendrai la suite. Ah d'accord. Je prends la suite, couvrez-moi. Ok, je te cover. Aïe 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 aïe, ça pique, ça pique. Oh génial. On va devoir s'occuper de notre ASP. On arrive. Aïe aïe aïe. Alors vite, faut retourner au vaisseau. Là. Fonce. Fonce. Vite. Je suis chaud aux fesses. What the fuck. Ok, il est où? Feu! Feu volonté! Terminé! Au boulot! On a encore une station de communication à éliminer avant d'aller chercher Taylor et Marie. C'est parti! Allez, go, go, go! Allez, on se pose! Alors. Dirigez-vous vers la console de communication. Ouais. Éliminez les ennemis restants. Tiens, là ça va être chaud là, il va falloir couvrir d'en haut là. Allez, go, go, go! Allez, c'est bon, vas-y. Je vais avoir besoin de temps, couvrez-moi! Des ennemis arrivent par la droite! Dispersez-vous, ne vous laissez pas encercler! What the fuck? Vas-y, ça court, j'en suis à la moitié, continuez. Vas-y, t'inquiète, je gère. Attention, il largue de nouvelles troupes. J'y suis prêt. Grenade! Encore un peu! Aïe, 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 ça pique!
Allez, c'est bon, on fonce. Et pousse-toi, putain, elle est conne celle-là. Oh là là, elle est toujours en plein milieu quoi. Elle est comme mes couilles elle. Elle me bloque l'accès quoi. Allez, on fonce, on fonce. Allez, on reprend le vaisseau. C'est parti. Quel est notre statut ? D'après la radio de la LRC, vos cibles sont au niveau inférieur. Ils essaient de mettre en place un plan d'extraction. Ok. Ici. Voilà, on se pose. Je vous envoie les coordonnées de la dernière position connue de Taylor. Hop là. Bonne chance. Allez, go go go. Oula. Waouh, sacré baignade. N'écoutez que le son de ma voix. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. D'accord. Oui. What the fuck? Restez avec moi! Respirez! Pourquoi? Pourquoi mes systèmes se sont éteints? J'ai vu vos diagnostics. Vous avez les mêmes symptômes que Hendrix. Sûrement comme l'équipe de Taylor. Oh putain! Quels symptômes? Je crois que le logiciel d'IA du projet classifié est passé dans les tissus organiques. Votre IDN a servi de portail. Oh putain. Il est né dans les cobayes et il vit dans chacun de vous. Lentement, il prend le contrôle. Et détruit peu à peu votre raison. J'ai combien de temps? Quelques jours, quelques heures. Ça ressemble à un système distribué. Une intelligence qui croît avec l'expérience de ceux qu'elle infecte. Et qui les consume. Écoutez-moi, quel que soit son fonctionnement, quel que soit son but, je suis toujours moi. Taylor. On le trouvera. Et si la seule façon d'arrêter ça, c'est de lui coller une balle dans la tête, je le ferai. Il n'y a pas que lui. Si on en arrive là, je ferai ce qui devrait être fait. On trouvera un autre moyen. Éloigné de l'armée, éloigné de la CIA. Il y a des endroits où on pourrait aller, où on serait en sécurité. S'il vous plaît, écoutez-moi. Restez avec moi. Non, je ne vais pas rester. Je veux de la violence. Il y a un truc pas normal. Ouais, j'ai la même impression. Ouvrez l'œil. Là-haut, préparez les armes. Vas-y, je suis prêt, moi, de toute manière. Ça, c'est vrai que c'est une pièce à se faire défoncer la gueule, ça. Avec moi. Bah... Kane, vous me recevez? On a des contacts multiples qui se dirigent vers vous. Tirez-vous! Taylor et Maretti. Ils savaient qu'on arrivait. Kane, vous devez partir. Ils essaient de vous coincer. Oh là là... On va y aller mollo. Allez go. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Plus j'ai plus beaucoup d'oxygène. Putain. Ouf! Enculé, nous a tendu un piège. La NRC attaque sans relâche. On a vraiment du mal à prendre l'avantage. Il nous faut plus de soutien aérien pour sécuriser la plateforme. Vous restez ici ou vous me suivez? Quelle est notre meilleure chance de localiser Taylor? En sécurisant la salle de contrôle, on aura accès au système de sécurité de la plateforme. Ken peut te transmettre les infos. Vas-y,
En haut ou en bas, on vous donnera le soutien nécessaire. D'autres appareils de la NRC arrivent. Il faut les empêcher d'approcher de la plateforme. Ok, merci. Pas de soucis. On y va. Allez, vas-y, grimpe. Je les vois. Plusieurs ennemis en approche. On va les intercepter. Reçu, je les vois aussi. What the fuck? Attention, le radar détecte plus d'ennemis. J'en ai verrouillé un. Bonne nuit. Waouh, c'est la guerre. Je contourne. Waouh. Il est là, il est là. Tu as crevé, putain. Je contourne pour essayer de pousser vers l'aquifère. Allez, au suivant. Voilà. Hendrix, quelle est votre situation? Les hommes de Khalil sont attaqués près de la salle de contrôle. On risque de perdre Taylor et Mariti. Il faut empêcher ça. On passe en soutien des forces terrestres. Khalil, on couvre vos hommes. Continuez d'avancer. Feu, on protège tout le monde. Ah ça c'est bon ça, ça j'adore ça. Quand cette plateforme fonctionnait, la sécheresse en avait fait une cible pour les pirates. Les protocoles de sécurité renforçaient et compartimentaient les zones critiques en cas d'intrusion. Verrouille-la, Khalil! Verrouille-la maintenant! Mariti y est encore. C'est pas terminé. Kane, comment on peut atteindre sa position? Eh bien, ces protocoles de sécurité ont placé une porte blindée entre lui et vous. Une suggestion? Bien reçu, Jérion. Mariti est toujours dans le hangar. Les hommes de Khalil se dirigent vers sa position. Bien sûr, on va les rejoindre. Et feu, 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 feu. Feu. C'est parfait. On a sécurisé la zone. Il y a du monde là, il y a du monde là. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Là. Wow. What the fuck? Ça fait éclater lui. Il est où l'autre? Il est là-bas. Arrêtez, parti par là! Vite, rattrapez-le! Plus vite! On peut pas le laisser filer! Allez, go, go, go! On va l'attraper. Oh là là, ça craint. Qu'est-ce que t'as, putain? Dis pas toi-même, Hendrix. Il y a
quelque chose dans ton esprit depuis que tu t'es connecté à Diaz. Ça fait la même chose que pour Taylor. T'as perdu de vue la mission et Taylor. Quoi? Taylor a révélé une conspiration qui implique à la fois le cœur même de la CIA et l'accord Winslow, et ça fait de lui une cible. Non, Kane a analysé nos diagnostics. Kane? Mais c'est elle qui tire les ficelles, et depuis le début, c'est elle, la putain de CIA. Ça suffit, Hendrix. Quoi? Tu me crois pas? Tu commences à avoir un petit fait pour elle, c'est ça? Dans une jolie maison, avec une jolie petite famille. Il nous faut réenneiger. Elle te fait perdre la boule. Elle fait perdre la boule. Et ce qui se passe dans ton petit cerveau à toi, on en parle. Bah. What the fuck. Ça les a vite calmés là. Surchargé. Oula oula oula. Putain, là on est bien à couvert là ici. Toi tu tires sur mon camarade toi? Ok, pas de soucis. Go! Go go go! Parlons de ce qui est tapis dans l'ombre. Arrêtez! Tu me connais! Tu peux me faire confiance! Tu ferais mieux garder la tête baissée. T'as quoi te défendre, mais t'es pas immortel. Déconne pas! Je te promets que tu seras traité équitablement. J'ai eu chaud au face, hein. Une balle dans la tête et tu rencontres ton créateur. Boum! Ma vraie père, va chercher Mariti, je vais le provoquer. Ok, ça marche. Allez, go, go, go! Je vais l'attraper et je vais le calmer, lui, vite fait. Laisse tomber! Le monde connaît la vérité. T'es un traître. Ta vérité a tué des milliers de personnes. Je sais qu'on a bien agi. Tu peux en dire autant? Oh, comme tu t'es fait calmer! Oh. Moi, ça fait un traître en moins. Tu l'as tué. Abattu comme un animal. On fait le sale boulot. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais me dis pas que tu le vis bien. Mariti était un des nôtres. Tout comme Hall, tout comme Diaz. On va faire table rase et buter Taylor maintenant. Si tu tiens vraiment à préserver les foutus secrets de la CIA, peut-être que je devrais coller une balle dans la tête de Kane tant que j'y suis. Écoutez-moi. La seule raison pour laquelle tu n'es pas dans une prison égyptienne, c'est uniquement parce que personne viendra nous aider. On est tout seul. T'es tout ce que j'ai. Et en plus, t'es mon pote. Putain, ça s'est bien parlé ça. La NRC a lancé un barrage de missiles. Sortez de là immédiatement. Inutile de nous le répéter. On y va, Hendrix. Allez, go. Wow, 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 wow. Faut qu'on remonte tout là-haut avant que le bâtiment nous tombe dessus. Il faut que vous sortiez de là. On sait, on fait ce qu'on peut. On fonce, camarade. Allez, vite, vite, vite. Il s'est fait aplatir comme une merde, lui.
Avance. Vite. Oh. Avance. Cours. Vite. Oh là là. Vite dans le vaisseau. Ouh. Oh. Oh là là. Tendu du string. Je dois dire. Alors, la tenue Renégat. Encore une nouvelle tenue. Des kits de fabrication. Ok. Et là, les montées niveau 13. Ça, c'est cool. Pas mal, pas mal. Alors, on va vite faire voir la tenue, ce que c'est. Alors, tenue Renégat. C'est ça. Pas mal, pas mal du tout. On va aller à l'armurerie. Quoique non, on va aller au cybernoyau. Kane, à propos de ce qui s'est passé, de ce que vous avez dit... On va améliorer ça à fond. Voilà. Réduit le temps requis pour détourner un ASP et un Ponks. Programmation inverse protocole détection allié d'un robot ou d'une tourelle ennemie qui combattra alors pour vous désactivation. La fin du temps est parti, contrôler deux robots en même temps. Pas mal. Voilà, j'ai amélioré ça à fond. Il restera le martial et le chaos amélioré à fond. Ce qui est déjà pas mal. Alors, l'armurerie. J'ai eu tort. J'ai douté pendant un moment. J'ai juste. On a un nouveau snipe, on va le prendre. Débloquer et équiper. Alors, j'ai pas de lunettes pour l'instant dessus. J'ai chargeur grande capacité. C'est tout ce que j'ai. Ok, il va falloir un peu travailler avec ce snipe là pour débloquer des choses. Le pistolet, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Non, il n'y a rien de disponible pour ce genre de pistolet. Donc voilà, mes chers amis, on se quitte sur ce petit bref instant d'amélioration de mon personnage. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 10 très prochainement. Salut à tous, peace!